La pointe du burin taille la pierre pour l'imbriquer aux autres. C'est de cette manière que l'on commence à construire les pilums, les supports qui soutiennent les pergolas, sur lesquels se tordent les rameaux du cépage Nebbiolo à Carema, Settimo Vittone, Nomaglio et Borgo Franco d'Ivrée. Les matériaux utilisés pour réaliser ce paysage, fait de pilums, de murets en pierre sèche et de pergolas, proviennent des forêts et des carrières de la région, tout comme le sol morénique déposé à une époque reculée par les glaciers et qui couvre aujourd'hui les terrassements. Les rangées de piliers qui donnent un amont sur les terrasses et les murets à sec qui forment de larges gradins, qu'on appelle par ici toupions, interrompus par des escaliers raides, transforment le paysage viticole en un paysage architectural, en donnant naissance à des amphithéâtres dans la nature. Néanmoins, les bâtisseurs de ce paysage visaient des fins plus terre à terre, puisqu'il fallait tout d'abord exploiter les pentes raides, bien ensoleillées et bien à l'abri, pour cultiver la vigne, qui est exigeante en chaleur et qui craint les gelées de printemps ou le froid humide des premiers jours d'automne. Ce qui explique la pierre, qui emmagasine la chaleur du jour et la rejette durant la nuit, en créant ainsi un microclimat qui favorise la maturation du raisin. À Carema, on trouve encore des gens qui construisent les pilums. On utilise un coffrage en fer rempli de pierre et d'un mortier. C'est un travail qui prend du temps. Il faut une journée pour terminer le pilier en le couronnant d'une sorte de chapeau en pierre qui peut être plat ou avoir une forme en U. C'est sur lui que pose d'un côté le sumier qui est soutenu de l'autre par le mur en pierre sèche ou par un poteau en bois de châtaignier. La structure de la pergola est complexe. La percha est posée perpendiculairement par rapport au sumier, puis au-dessus, on trouve le lassù. Enfin, on trouve la filura, une pièce en bois fine et longue qui est quelquefois remplacée par un fil et qui est placée en porte-à-faux sur la face avant de la pergola. Ces constructions en pierre et en bois, qui au cours des siècles ont protégé le sol contre l'érosion, sont situées entre 300 et 600 mètres d'altitude. Carema est un vin qui a été reconnu en 2014 comme sentinelle du goût slow food, pour sauvegarder un produit de la tradition et un paysage rural qui représente l'un des lieux de la viticulture héroïque, dans lequel c'est l'homme et non pas la machine qui est au cœur de la production.